Monsieur Nicoli, bonjour. Oh, bonjour. Pourquoi faites-vous de la peinture à l'extérieur? Ça, c'est une bonne question. J'adore la rue. En fait, dans la rue, on a beaucoup de choses. J'ai besoin de lumière. La peinture, c'est la lumière. Moi, je travaille beaucoup avec l'acrylique, mais sur la lumière, si vous avez vu mes couleurs, c'est la vie. Alors, je ne peux pas rester sans faire la peinture extérieure. C'est comme ça. Si vous me donnez une grande galerie à 300 mètres, non. C'est pas ça, je ne peux pas me fermer intérieur. Par contre, ici, c'est ma vie. Dans la rue, on le trouve tous les gens. Déjà, il y a les amateurs de l'art, il y a les touristes. Ça fait une belle animation pour la vie de Nice aussi, mais pour moi aussi. Toute ma vie, j'avais travaillé dans la rue. Regardez-vous. Est-ce qu'il y a bon aujourd'hui? C'est dommage qu'il n'y a pas le bleu dans l'autre. Couvert, oui. Dommage, oui. Et je suis contente quand je vois la vie. Le thème de mes tableaux, c'est la vie en couleur. Et on voit énormément de couleurs, en effet. Hein. Et bien sûr. Ça, c'est vraiment... On dit le carnaval de Nice. C'est vrai, c'est le carnaval de Nice. Et voilà. Mais le carnaval de Nice, c'est toujours... Ça fait 15 ans que je l'ai fait. Et je suis dans la rue. Vraiment, monsieur. Et vous exposez également dans des galeries Pour le moment, vous avez fait des expositions il n'y a pas longtemps, bien je crois. Sûr, mais je suis en train de préparer. Je n'ai pas trop l'habitude de parler ce que j'avais fait. Je vais bien de parler... Le présent de ce que je voulais faire. Je suis dans l'espace Pierre Cardin, vous pouvez voir là. Pour la semaine de FIAC, Salon Business Art. Je suis dans cette. J'ai 10 mètres dans l'espace Pierre Cardin. Alors je prépare les grands tableaux. Je suis pour la semaine de FIAC, c'était le 22 octobre, pour 4 jours. C'est la plus grande galerie du monde, le plus grand artiste du monde qui se trouve à Paris. J'aime bien Paris parce qu'il y a des amateurs de l'art aussi. Il y a des collectionneurs, il y a des amateurs. Après, je me prépare pour aller en Californie. Bien sûr, parce que j'ai tous les clients américains. Après, le New York Times qui sont faire une interview de moi. Les gens, ils viennent de l'Amérique sans savoir. Ils me disent, mais vous êtes célèbre. Quelle chance. Je ne savais pas. C'était, si par hasard, comme vous, c'était les journalistes qui sont venus. C'était août. Et grâce à cette New York Times, je suis devenu connu, on peut dire célèbre, mais bon. Oui. Je ne travaille pas pour ça, pour être célèbre. Je travaille pour moi-même, parce que j'ai l'émotion, toute ma vie, je l'ai fait jusqu'à la mort. Mais, vous faites partie de l'école de Nice, non? Oui, je suis la nouvelle école de Nice, c'était 2009. Si par hasard, c'était Marc Ottavi, le spécialiste de l'école de Nice, qui m'a pris. Il a pris 3 tableaux de moi, et finalement, il a trouvé. Mes tableaux, c'était à l'époque, c'était un commissaire Fauche. Si vous avez vu, ils sont pris tout le terrasse, à Mairie de Nice, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est comme ça, parce que j'expose extérieur. Et ils me disaient, savez-vous, vous avez occupé... Non, on connaît l'occupation allemande, on n'a jamais occupé. Ça, c'est l'installation de l'art, ça fait plaisir de l'art qu'il est dans la rue aussi. J'étais cette recette et que les gens s'étaient perdus. Et pourquoi pas, je l'ai fait ça. Et finalement, bon, je suis pris avec l'école de Nice, j'ai vendu 3 tableaux avec les collectionneurs. C'est comme ça que je suis coté aussi. Après des années et des années, en février, oui, c'était les galeries Ferrero. Monsieur Harald qui m'a pris, j'exposais en Ferrero les grands formats déjà. Parce que moi j'ai besoin des grands formats. Et si je ne peux pas les faire, vous avez vu. Oui. Je ne peux pas, je suis obligé de sortir de la rue. Déjà, j'aime la rue, mais j'aime les gens comme ça. Si on voit l'Amérique, toutes ces fresques, j'ai pas mal de clients dans le Mexique. Magnifique, on voit les choses, des grandes, grandes. Désolé, je suis grande. Je suis grande, avec l'esprit aussi. Je ne peux pas le petit. Voilà, je suis en train de faire une petite. Parce que j'ai une commande, mais c'est pas ça. Moi, j'aime bien les grandes. Et dommage que... Quelquefois, elle est mal vue, là. Pas, on le voit, je suis venu, je faisais le tableau, ils me disaient, comment on le disait, c'était pas le fresque, mais c'était le tag. Je lui disais, mais vous êtes des fous. Ça, c'est un tableau, une œuvre d'art. Aujourd'hui, le tag, à l'époque, ils faisaient les gens, ils sont devenus dans le musée, nous sommes fiers. Et moi, j'ai payé, c'était pas le tag, j'ai mis mes tableaux dans la prison.
Arrêtez. Les gars, je vous conseille une chose, arrêtez. Faites-vous la politique, mais arrêtez de ne pas parler pour l'art, parce qu'il y a des gens qui sont pour l'art, il y a des spécialistes de l'art, et quelle chance que je suis, si par hasard, je suis dans un bon monde, des spécialistes de l'art, des amateurs de l'art, des collectionneurs, et je vais continuer toute ma vie comme ça. Moi, je suis monsieur le créateur, je suis artiste peintre. C'est parfait. Je vous remercie, monsieur Nicolas. Merci. Bonne merci. Journée. Au revoir. Merci.